Sur l'exploitation, on a un troupeau de race abondance qui est composé de 40 vaches laitières à peu près et d'une vingtaine de génisses qui passent la saison d'été à l'alpage, ici sur l'alpage de la Tête, à manger principalement de l'herbe. Différentes étapes de la traite avec le nettoyage des trayons, très important. On tire les premiers jets, après l'essuyage. Donne un petit complément de céréales. Et puis l'hiver, que ce soit les vaches ou les génisses, elles mangent uniquement du foin avec un petit peu de céréales aussi. Des céréales achetées qui sont certifiées sans OGM, donc c'est du maïs, de l'orge. Une fois que la vache n'a plus de tête, on met une crème pour leur assouplir le trayon. Et voilà, ça nous donne un bon reblochon. À la traite, j'ai mis la présure, ce qui va nous permettre de faire coaguler le lait. Donc on va se retrouver avec une sorte de gros fromage blanc que je vais décailler, donc découper en petits grains. En sachant qu'il faut à peu près 4 litres de lait pour faire un reblochon. Je viendrai enlever la toile. Les fromages qu'on va fabriquer, demain matin, je vais les démouler. Je les mettrai sur ces planches ici. Ils vont rester pendant une semaine, durant laquelle ils seront retournés tous les jours. Je vais les saler. Je vais les laver. Et ensuite, je les amènerai en cave où ils vont continuer l'affinage pendant à peu près 15 jours avant d'être bons à déguster.